Salut tout le monde! Eh bien, nous sommes le 26 décembre et nous arrivons tout doucement à la fin de la découverte de ce calendrier de l'Avent et de l'Après. Alors, on est parti pour l'enveloppe numéro 26, que voici, que voilà. Alors, que contient-elle? Je dirais des tampons, une planche de tampons. Attention! Je pense que non. Alors, oh, ce sont des découpes. Alors, nous avons toute une série de découpes comme ceci. Donc, une découpe cadre de différentes couleurs. Voilà, comme ça. Alors, nous avons d'autres découpes comme ceci. Donc, on a déjà la carte qui est préformée. Ça, c'est génial. Donc, il n'y a plus qu'à décorer. Et c'est parti, mon kiwi. Comme ça, on en a une autre avec un cadre et encore une autre avec cet ensemble style vaguelette ou nuage. Voilà, donc bien le jour où vous avez un petit peu la flemme mais que vous avez donc une carte à réaliser, et bien voilà, vous piochez dans les découpes et vous n'avez plus qu'à embellir, mettre un sentiment et hop hop hop, le tour est joué. Donc ce qui est très sympa avec ce type de construction, c'est que vous apposez donc l'image que vous voulez, vous la collez sur le bord ou pourquoi pas vous réalisez un shaker. C'est une très bonne idée de pouvoir réaliser un shaker avec ce type de construction. Tout est déjà quasi prêt et donc ça nous facilite la vie lorsque l'on n'a pas trop envie de se casser la tête. Voilà, donc très très bonne idée, ce système de découpe prêt à l'emploi. Perso, je valide. Alors, on se retrouve bien sûr demain pour la découverte de l'enveloppe numéro 27. En attendant, prenez soin de vous et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, prenez soin de vous et... Oh, ça fait longtemps que je ne vous ai plus fait des bisouilles qui chatouillent. Donc, eh bien voilà, plein de bisouilles qui chatouillent. À demain, mes poupies. Ciao!